Bonjour Céline. Bonjour. Alors, notre toute première question, quel est votre premier souvenir avec les univers de fantasy ? De fantasy. En fantasy, je pense que la toute première expérience que j'ai eue, c'était un livre. C'était L'Histoire sans fin de Michael Ende. Michael Ende, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. On en a fait un film d'ailleurs, dans les années 80, ça avait un gros succès. J'ai adoré ce bouquin, je l'ai relu. Je me rappelle, je faisais comme Bastien dans le livre, où, quand il est enfermé dans le grenier, je fermais les portes du couloir pour que ce soit bien sombre. Et puis j'avais mis une petite bougie, puis j'avais pris une petite pomme, et puis je lisais le bouquin pour... On est con quand on est mort. Et donc j'avais lu ce livre avec vraiment une fascination intense. Je l'ai depuis relu une dizaine de fois, je crois. Bon, maintenant j'ai quand même arrêté, ça commence à devenir un peu gamin pour moi, mais ouais, c'est mon souvenir le plus fort, je crois. La découverte, vraiment, de la fantasy, ouais. Comment est née Rose Morte ? C'est assez particulier en fait. J'étais tout simplement sur un jeu vidéo en train de créer un nouveau personnage pour une nouvelle partie. Et j'ai créé d'abord son apparence, avec un peu les couleurs un peu très tranchées de l'héroïne, sa chevelure, etc. Puis j'ai trouvé un nom. Puis ce faisant, je ne saurais pas vous dire exactement d'où ça s'est sorti, mais j'ai commencé à me dire, tiens, et si c'était une fille d'aristocrate exilée. Et puis j'ai commencé à cogiter comme ça, et c'est parti un peu dans tous les sens en fait. J'ai pris des notes, comme ça, sans trop y croire. Avec le temps, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit blog où je vais commencer à raconter ça. Et puis ça a pris une ampleur. Bon, c'était plus possible. Ma tête ne suffisait plus à contenir la chose, ni le blog. J'ai hésité avant de me lancer dans l'aventure, puisque ça se dessinait clairement pour être une saga. C'est quand même quelque chose de difficile à soutenir. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour travailler sur toute une saga. J'ai longtemps hésité. Mon mari m'a soutenue dans l'idée, en fait. Il m'a poussée. Effectivement, il a mis en exergue le fait que je suis encore jeune. J'ai encore le temps. On avait l'opportunité. C'était le moment, quoi. C'était le moment de faire ce que j'avais vraiment envie de faire et de me lancer à écrire quelque chose. Et je me suis jetée à l'eau. Et voilà. D'accord. Pourquoi avoir choisi d'en créer votre récit dans la France d'Henri IV ? En fait, c'est pas vraiment un choix. C'est plus... Alors, je peux pas donner de détails, sinon je vais spoiler un petit peu, mais disons que c'est une question scénaristique. Disons que la saga m'est apparue pas à ce moment-là. Exactement. Et du fait de l'évolution, j'ai en fait déduit pour en arriver à quelle période faut-il que je commence, on va dire ça comme ça. Et c'était là. Et c'était une période que je ne connaissais mais absolument pas. Je pense comme, hélas, beaucoup de gens, c'est vrai qu'on est plus 18e que 16e la plupart du temps, même si effectivement Henri IV est un roi emblématique, il a fait des choses qui ont marqué l'histoire de France. Je pense qu'on n'est pas nombreux spécialistes, en ce moment c'était pas mon cas. Donc il a fallu que je me renseigne énormément et j'ai eu une appréhension tout de même. Quand j'ai remarqué qu'il faudrait commencer là, j'étais pas très à l'aise, mais il a fallu le faire et finalement ça s'est bien passé. C'est juste une question d'investissement. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Donc voilà, c'est plus ça s'est imposé. C'est pas vraiment une affinité en fait. D'accord. Et justement, comment vous avez fait pour que votre récit s'ancre aussi parfaitement dans la grande histoire ? Alors là, je pense que c'est de la magie. Non, je ne sais vraiment pas. Sérieusement, je pense qu'en fait, les recherches ont nourri le texte par certains côtés. C'est-à-dire que en se renseignant sur l'époque, on a des petits détails qu'on découvre. Par exemple, le fait qu'à table, le verre n'était pas posé sur la table, mais que dans les maisons aristocrates, il y avait un serviteur dédié au port du verre du convive. Bah, ça, c'est un détail qui finalement a amené la scène où, à un moment donné, elle renverse le verre en cherchant à le... Voilà. Finalement, ça se nourrit l'un l'autre. Ça se prête très bien à une intrication. En fait. C'est très naturel, finalement. Je réfléchis pas vraiment. Ça vient tout seul. C'est pour ça que c'est un petit peu magique. Je ne sais pas. Le jour où ça me lâche, je suis dans la misère. Et qu'est-ce qui vous fascine chez les vampires ? Alors, le vampire, j'allais dire le vrai, le mythe originel du vampire, je pense qu'il y a ce côté transcender notre propre mortalité, mais je pense qu'on en est tous là, finalement. C'est pour ça que le vampire fascine, et à mon avis, fascinera encore très longtemps. C'est ce côté se figer, et de préférence dans la fleur de l'âge, et pouvoir tout traverser, tout essuyer, l'immortalité, se survivre, en fait, se transcender. Je crois que ça doit être... je pense que c'est ça le plus étonnant, le plus étrange, le plus intrigant et puis ce qui fait envie aussi quelque part. Je n'ai pas particulièrement peur de la mort, j'ai peur de la manière dont je vais mourir, mais je n'ai pas peur de la mort en elle-même. Alors, on pourrait trouver ça étonnant que le concept d'immortalité me... Mais si on a tous envie de rester longtemps ici, je pense, on a d'avoir sa chance de faire quelque chose et plus le temps est long et plus on a de chance. Donc c'est un peu ça, je pense. D'accord.
Et vous avez prévu combien de tomes pour... 5. 5 tomes en tout. L'avantage du bouquin, je pense, par rapport à peut-être des sagas, d'autres types de sagas, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre le tome suivant pour avoir la conclusion de l'histoire que je raconte dans le tome que vous êtes en train de lire. C'est un petit peu articulé, bien que ça n'ait rien à voir, comme la saga Harry Potter. Mm-hmm. On a une année de cours avec l'aventure du moment, et puis voilà, quand on arrive à terme de l'année, c'est fini, on a la conclusion. Alors, même si on est toujours en train de traquer Voldemort et autres, voilà, on peut passer au tome suivant sans frustration, etc. Donc c'est comme ça qu'elle est construite. Du coup, les 5 tomes, voilà, ça paraît suffisant, il y a de quoi raconter. Enfin, pour le lecteur. Pour moi, c'est pas suffisant, mais on y reviendra peut-être plus tard. D'accord. Quelques mots pour donner envie au lecteur justement de découvrir Voldemort. Eh bien, ma foi, je pense que le meilleur argument, ce serait si vous avez envie de trancher avec ce qui se fait depuis quelques années, le urban fantasy ou Beatlit, ou voilà, essayez Voldemort parce que ce n'est pas ça du tout. J'estime, moi, que c'est très différent. Je relève, à mon sens, de la littérature vampirique telle qu'elle a été, entre guillemets, conçue, telle qu'elle est née il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles maintenant. Et c'est donc, ça donne quelque chose d'extrêmement différent, rien que par la plume. C'est vrai que ça peut rebuter, elle n'est pas excessivement lourde, mais elle est quand même un peu plus travaillée, je pense, que les romans young adultes ou quoi. Et donc si vous avez envie de quelque chose de vraiment différent, sans vous éloigner de vos créatures accro préférées, eh bien testez. Moi j'ai quelque chose d'autre à vous proposer. D'accord. Et notre dernière question, si vous deviez choisir 3 chansons ou musiques qui pourraient résumer l'ambiance de vos livres. Ah, c'est intéressant. Et moi avec ? Ouais. Moi avec l'ambiance de mes livres. Alors 3 pour le livre et 3 pour moi ? Ou 3 de manière générale. 3 de manière générale, c'est une question très sympa. J'ai plein qui viennent en tête, je vais avoir du mal à choisir. C'est très sympa. Alors, l'ambiance de mon livre. Alors, ce n'est un secret pour personne de mes lecteurs qui me suivent sur Facebook, j'adore Dépêche Mode. Oui, je sais, je n'ai pas le look, mais j'assume, j'adore Dépêche Mode. Il y a énormément de Dépêche Mode dans ma tête quand j'écris Voldemort, notamment évidemment Enjoy the Silence, qui je pense résume, voilà, est vraiment quelque chose qui tourne énormément quand j'écris. Vraiment, donc celle-là, elle est obligée d'en faire partie. Une deuxième, qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Parce qu'il y en a beaucoup en fait, donc faut que je me méfie, il faut que je choisisse avec soin. On va essayer de taper dans autre chose que du Dépêche Mode, sinon ça va être rengaine. Celle-là, elle est un peu particulière, je ne sais pas si tout le monde connaît, en fait elle est extraite d'une bande-son d'un jeu vidéo, Deus Ex Human Revolution, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un jeu d'infiltration, etc. Avec Adam Jensen, le personnage que j'aime beaucoup. Eh bien, il y a une chanson magnifique, c'est la thématique qui s'appelle Icarus. Hélas, je ne me rappelle plus du nom du compositeur. Cette chanson résume très bien, finalement, par la mélancolie qui s'en dégage, on va dire, l'ambiance globale du livre. Ouais, celle-ci. Et une pour moi... je pense que là tout de suite, là maintenant, je dirais Faint de Linkin Park, qui me résume plutôt bien. Très bien, bah écoutez, merci pour votre réponse. À bientôt. À bientôt.